Toutes et tous, vous êtes sur First Print, votre podcast comics préféré. Vous écoutez une nouvelle émission du format The Pulse qui s'intéresse au journalisme culturel sous toutes ses formes. Il y a quelques temps, vous avez proposé un épisode spécial qui parlait du, de la façon dont on pouvait raconter le journalisme en bande dessinée à l'occasion de la sortie du titre Robinson à Pékin. On avait reçu Eric Meyer et Aude Massot. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode dans une thématique similaire, pas, pas exactement identique, pour accompagner la sortie d'un album qui s'appelle Klaus Barbie, La route du rat, une bande dessinée documentaire qui revient sur la Track et le procès de Klaus Barbie. C'est écrit par Frédéric et c'est dessiné par Jean-Claude Bauer et on a euh, l'honneur, le plaisir de recevoir Jean-Claude Bauer avec nous. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Déjà, bonjour donc, à, voilà, à tous. Voilà, je suis vraiment très très content de t'avoir avec nous dans le podcast mmh. et comme c'est la première fois que tu viens, évidemment, on va faire la première question la plus triviale, Simplement, est ce que tu peux un, un petit peu te présenter à nous et à celles et ceux qui ne te connaissent très pas. Donc je suis un homme déjà d'un certain âge hein. <laughs> ça s'entend pas genre en non, général bien, ça bien, là, voilà. je vais pas le dire mon âge, je <laughs> pas. Non, j'ai commencé dans les années 70 où j'ai commencé à travailler chez chez Vaillant où je dessinais pif Léo comme bon nombre de gens qui démarraient dans le métier à l'époque. Et euh, bah, j'ai fait ça pendant quelques années. Puis après, j'ai intégré un, un organisme euh, qui m'assurait une sécurité de travail et d'emploi, où je continuais à faire de la bande dessinée, mais c'était de la bande dessinée un peu plus institutionnelle, et on parlait de prévention des risques professionnels. Et euh, donc, euh, ce, cette façon d'informer les gens et, et, et fonctionnait très très bien, et, et j'ai fait ça pendant 25 ans, et parallèlement. Pendant ces 25 ans en question, je continuais à illustrer des, des, des ouvrages à destination des enfants, euh, de façon éducative et tout ça. Et puis, euh, il m'arrivait parfois aussi de faire des belles illustrations. Enfin, J'ai une capacité à dessiner qui est, qui est assez large. Mmh. Mais justement, par rapport à, au, au dessin, quel est ton rapport au dessin Tu as commencé à faire ça étant très jeune C'est quelque chose ah qui oui, t'est oui, vu D'après euh... ce que me disent mes parents, je commençais à l'âge de 3 ans, mais ça ouais. par... Par contre, j'ai aucun souvenir. Mes parents étaient commerçants et alors un peu plus tard, pas, pas quand j'avais trois ans évidemment, mais beaucoup plus tard dans le temps où je dessinais les clients qui étaient au comptoir puisque mes parents tenaient un bistrot et, euh, et je m'amusais à ça. Donc je faisais déjà des portraits et, et puis ça m'a poursuivi ça puisque après j'ai continué en, en travaillant dans la chronique judiciaire et, euh, et là évidemment là j'étais à l'aise puisque J'étais obligé de dessiner des portraits et des, des gens qui défilaient à la barre. Et tu dirais que tu as, as suivi, enfin, t'as suivi des cours? Oui, en... j'ai fait les beaux-arts, les ouais. beaux-arts de Lille. Euh, alors, j'ai commencé comme j'étais très jeune et j'étais un cancre notoire. <laughs> j'ai, mon père a fait quelque chose pour moi qui, est, qui était majeur. Il m'a, il m'a trouvé une école d'art, euh, dans la région où j'habitais, dans le nord. Et donc, on a trouvé un, un établissement qui pouvait me prendre à l'âge de 15 ans, 14 ans, je ne sais plus exactement, mais c'est à peu près autour de ces eaux-là, euh, qui faisait aussi de l'enseignement général. Donc euh, j'ai intégré cette école, j'ai fait cette école-là pendant une année, ça m'a permis euh, de, 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 de de me faire un book, et avec ce book, j'ai pu rentrer à l'école nationale des beaux-arts de Lille et j'étais un des plus jeunes éléments, euh, mais complètement paumé puisque j'étais un gamin quoi je veux dire. <laughs> et euh, et parmi les autres qui avaient deux ou trois ans de plus que moi quoi je veux dire c'était mais c'était intéressant donc j'ai fait cette école pendant cinq ans et puis et puis après j'ai j'ai commencé dans la vie professionnelle et voilà. dans le monde du travail tu voilà, tu quand même un style que je dirais photoréaliste oui. En tout cas, en tout cas, notamment sur sur cette table, oui, ce, c'est quelque sur chose sur, sur lequel, album, lequel oui, tu oui, t'es tu oui, t'es dirigé oui, oui. très très rapidement. Euh, C'est-à-dire. C'est-à-dire que bah tu t'as rapidement en fait eu ce style photo réaliste. Tout à Oh non pas du tout. Je peu... suis capable. Quand je te disais, j'avais une palette assez large de ouais. de de, 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 de dessin. Je suis capable de faire des trucs pour enfants très très jeunes. Mm -hmm. euh, du reste, on a, on a sorti une série de, de petites bandes dessinées à l'attention des enfants de cinq de à six ans, tu vois. Donc c'est quand même un peu un peu différent de ce que j'ai fait pour Barbie. Non, j'ai cette capacité de faire une, une capacité de dessiner et à une palette assez large, quoi. C'est difficile de, de changer les styles, c'est quelque chose qui maintenant, enfin, j'imagine qu'avec les, les non, je ne crois travail, pas que ce soit si difficile que ouais. ça, mais je pense aussi c'est une question d'habitude, c'est d'avoir fait une multitude de choses qui m'a permis de m'adapter au sujet qu'on traitait, par exemple, tu vois. Ouais. On dit, bon, tel sujet, il faut le traiter de cette façon, un autre, c'est autre chose. Enfin voilà, donc euh, euh, dans ce cadre-là, je voulais être, enfin, euh, pour ce qui concerne l'album qui dont on parle, euh, là, il fallait que je touche de près. À, à ce que j'avais fait pendant, euh, pendant, euh, pendant les procès. Oui, parce que, en fait, donc, tu as été euh, dessinateur judiciaire, c est, c est ouais, chroniqueur. chroniqueur. Euh, dessinateur de la chronique judiciaire, pardon, euh, pendant dix ans. Ouais, donc, récupéré, euh, c'est embauché par Antenne 2 à l'époque. À, hein? à l'époque, c'était Antenne 2, et puis ensuite, c'est devenu France 2. Euh, mais j'ai fait mes armes avec euh, un premier procès qui, était, qui était celui de, de Georges Ibrahim Abdallah, qui était un, un terroriste libanais. Donc, c'est en février 87. Et euh, donc, c'était un essai. Paul Lefebvre, qui était le chroniqueur judiciaire d'Antenne de, de, 2 à l'époque, euh, m'avait pris un peu sous son aile et m'a dit bah, « je suis content de ton travail, je t'emmène avec moi euh, vivre une grande aventure, euh, le procès Barbie ». D'accord. Mais alors, euh, quand même, juste pour, pour revenir là-dedans, Enfin, c'était quoi Comment t'as fait pour être recruté euh, Alors, bon, c'est euh, un réseau de connaissances. Je connaissais ouais. quelqu'un à Antenne 2 qui, qui savait que quelqu'un cherchait quelqu'un. Donc, euh, donc, je me suis présenté à Paul Lefebvre. J'ai présenté un peu mon travail. Il m'a dit « Ok, on va faire un essai. Donc Je t'emmène avec moi sur ce procès à Paris ». Et puis, euh, au terme de ce procès, il m'a dit :« Bon, je suis content de ton travail. Je t'emmène avec moi ouais. au procès Barbie. » Voilà. Donc, euh, alors, c'est quoi les spécificités de ce travail quand tu dois euh, dessiner des en fait, audiences en, c est, c est en, en direct C'est hein. simplement un boulot de substitution. C'est qu'on se substitue à la caméra. C'est-à-dire que comme les débats ne peuvent pas être filmés, euh, on utilise, euh, on utilise un dessinateur pour euh, pour pallier cette cette euh, <laughs> cette lacune, si je peux ouais. dire. Et, et donc voilà quoi. Donc c'est tout et on est là euh, pendant toute l'audience, Et s'il se passe un événement particulier, il faut essayer de le, de rendre compte quoi. Je veux dire c'est notre c'est notre job et on fait ça dans des temps assez limites. quoi. Ouais, parce que tu as une contrainte euh, du fait que tu es dans la salle en direct et qu'il faut alors euh, à la fois tu veux dessiner quelque chose mais si pendant que tu es en train de faire un premier dessin, il se passe je sais pas une réaction. Euh... Ah bah c'est déjà arrivé, tu vois. Mm -hmm. Bon, tu te dis il y a rien. Enfin, généralement un débat de d'audience c'est Très statique, il mmh. se passe pas vraiment des choses importantes. Alors, ça dépend des procès que l'on suit, mais euh, <coughs> ou des témoins qui viennent à la barre. Mais parfois, euh, il, il tu étais en train de Alors, tu fais une vue d'ensemble, je dis n'importe quoi comme ça, une vue d'ensemble. Puis à un moment donné, il y a un témoin qui va se manifester puis qui va dire quelque chose de particulier ou qui va invectiver euh, euh, l'accusé. Je, 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 je Et là, du coup, bah évidemment, c'est ça l'information du jour et c'est retranscrire ce que tu viens de voir là, ce qui vient de se passer. Ça m'est arrivé sur des procès terroristes, par exemple, de de de, de, de voir que les mecs en rien du de, de ce qui se déroulait euh, là, et, et et du coup il euh, y, a, y a une bagarre qui s'est qui s'est déclarée et, et les flics ont sorti bien nu militari les les terroristes en question et euh, bah tout ça c'est bon, évidemment là là pour le coup on fait appel à l'imagination enfin à se dire euh, euh, retranscrire ce qu'on a vu quoi je veux mmh. dire et, et de façon très rapide. D'accord. Euh, alors, en termes de matériel, par contre, euh, tu es sûr euh, du crayon tout le temps tu, bah, Moi, euh, j'ai <coughs> opté, opté pour cette, euh, cette technique, mais je me suis cherché longtemps à, ouais. à, avant d'en arriver là. Et euh, bah, tout est venu euh, au procès Barbie. Je pense que les choses se sont placées un peu à ce, ce niveau-là. Euh, Barbie, le procès à Barbie a duré deux mois presque. Hein. Et donc euh, bah, c'est vrai qu'il m'arrivait d'utiliser de des feutres, puis parfois euh, crayons de couleur, puis parfois les deux, puis euh, parfois un peu d'aquarelle enfin bref c'était pas toujours simple Et puis après j'ai opté parce que je me sentais vraiment à l'aise dans cette technique. Et, euh, et, et et on a continué comme ça et pendant dix ans. Euh, ouais. J'ai fait ça. Est-ce que tu dirais que c'est des outils quand même Enfin tout ce qui est crayons, euh, quand crayon, enfin euh, crayon de papier, crayon de couleur ou aquarelle, qui sont aussi des outils qui euh, qui te permettent d'avoir justement là, cette rapidité de, de réponse que t'as pas besoin de faire des encres. Ah ben là oui. De... Puis là c'est vraiment oui oui c'est sûr. Euh, je veux dire on n'a pas besoin. J'ai même pas le temps de faire un crayonné quoi. Ouais il faut il faut attaquer tout de suite alors c'est un jeu de c'est un jeu <coughs> j'avais dans les mains par exemple trois quatre crayons de couleur et je changeais mon crayon à chaque fois tu vois la le, euh, le couleur de la peau euh, et euh, ouais donc euh, cerner noir pour pour donner de l'importance de l'importance au, au personnage qui était en avant euh, utiliser des crayons de couleur bleus, par exemple pour faire le ce qui était en fond, enfin tu vois c'était euh, euh, non mais j'avais 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 réussi à trouver cette technique intéressante. D'accord. Donc euh, on va revenir un peu juste sur sur le procès. Mm -hmm. euh, bah, quel a été euh, est-ce que tu peux nous raconter de, de ton vécu en fait euh, comment quand ça s'est déroulé. Alors euh, ce euh... procès c'est un procès euh, c'est un du... procès hors du commun. Hein, ah, hors du commun d'une part parce que c'était le premier procès de crime contre l'humanité pour un pour un, pour, un, pour un, un un officier SS et euh, Bon, c'est vrai qu'à l'époque où je suis rentré dans ce procès, je n'avais pas, pas jugé ou j'avais pas jaugé la portée que ça allait avoir. Quoi. Ouais. La portée historique. Euh, tu ne ouais, pouvais pas te rendre non, compte non, à quel je point. Je ne me rendais pas euh... compte. J'étais en face d'un criminel comme un autre, j'allais dire. Et puis, euh, puis c'est au fil des jours que les choses se sont un peu, un peu compliquées. C'est-à-dire d'entendre des témoignages forts comme cela, euh, c'était difficilement supportable, parfois. Et. Euh, et c'était à, à forte dose. À forte dose, il y avait facilement cinq ou six témoins par jour qui, qui racontaient les supplices, qui racontaient leur douleur. Qui, enfin, tu vois, je veux dire, c'est, euh, ça paraît fou, quoi. Je veux dire, euh, et euh, ben donc c'était mêlé entre l'émotion intense. Euh, parfois, on pleurait beaucoup. Euh, c'est difficile de cacher son. Dire toi, toi aussi, enfin. Ah bah évidemment, ouais. oui, évidemment. Et puis, euh, alors, est-ce que ça s'est retranscrit dans le dessin Je le pense. Ça a donné un peu plus de force au dessin. Ça, j'en je, suis peu absolument convaincu. Donc, on fait les choses un peu de façon intuitive, euh, sans vraiment réfléchir. On est tenu par le temps et on se pose pas de questions. On ne réfléchit pas à comment on fait les choses. Quoi. On se lance. C'est de de l'instinct. Ouais, c'est complètement instinctif, ouais, absolument. Et alors, tu l'as vu, euh, Barbie. Klaus Barber? Ah, ben, oui, le premier jour, je l'ai vu, puis le deuxième jour aussi, puis le troisième aussi, puisqu'il est parti au bout du troisième. Et, bah euh, ben, oui, j'ai croisé son regard. Du reste, c'était très, euh, très dérangeant euh, quand il est entré dans le box, parce qu'il avait cette faculté de, de regarder tout le monde, y compris, euh, enfin, y compris les journalistes, y compris les caméras qui étaient là, parce que son entrée, on l'a filmé. Ce qu'on n'a pas filmé, c'est les débats. Enfin, on les a filmés après de façon. Euh, de façon un peu plus dirigée, puisque euh, on voulait filmer ce procès pour l'histoire. Ouais. Et euh, à l'époque, on ne pensait pas du tout. Enfin, il n'était même pas question que, que ce procès soit diffusé comme maintenant. C'est-à-dire, il existe un coffret complet de, du procès Barbie euh, que tout le monde peut acheter. Peut acheter, ouais. Et euh, en fait, euh, au départ, il s'était pas question de ça. C'est-à-dire que les images étaient filmées pour l'histoire et ne seraient visibles au public. Au public, historien d'abord, après 50 ans. Pourquoi 50 ans Pourquoi Parce que c'est comme ça. Ouais, d'accord. Euh, <laughs> Durée arbitraire. Enfin, mmh. c'était comme ça, c'était défini comme ça. Il fallait attendre 50 ans pour pouvoir visionner les premiers. Et puis il y a eu une loi qui a été décidée par Robert Beninter, je crois, et qui a fait en sorte que les choses se sont accélérées pour ce procès-là. Mais ce que je dis là, c'est toujours valable pour le procès et le procès Papin. C'est-à-dire que personne peut accéder aux images actuellement, et on n'a pas décidé que pour ces procès-là on pourrait visualiser les. Enfin, je ne pense pas. Je sais que j'ai vu quelques extraits, mais euh, mais je pense que c'est pas. Ils n'ont pas eu la même règle pour ce pro... pour ces deux procès-là. D'accord. Est-ce qu'il y avait une forme de, je dirais pas de, de soulagement, mais parce que tu as quand même. Subit enfin on va dire que le poids la charge mentale d'un procès comme ça a dû être importante surtout que ça a dû ah avoir oui 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 oui, oui mais à l'époque c'est toujours pareil j'ai bon j'ai vécu ça comme ça euh, j'ai pris ça dans la figure euh, comme tout le monde hein. je veux dire tous ceux qui insistent à ce procès ne sont pas sorti indemne du tout euh, du tout de ce procès donc euh, oui non j'ai pas j'ai pas euh, mais j'avais pas idée qu'un jour je ferais ça et ça, c'est arrivé en 2018, la, la, la décision de, de, de faire ça, suite à une rencontre euh, d'un magistrat euh, qui était devenu depuis euh, procureur, mais qui, euh, au moment du procès, avait été le substitut général du procureur de la République, euh, de, pas de la République, du procureur général Truche, qui a requis au procès. Et donc, j'ai retrouvé ce monsieur 30 ans après, et lui, il faisait une conférence sur le procès Barbie, et moi, on m'avait demandé d'exposer de, 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 mes dessins. Que tu avais gardé alors Que j'avais euh, que hein. gardé, ouais. oui, que j'avais gardé, oui, parce que je les ai... Enfin, on en, en reparlera plus tard, ça, si, si tu veux bien. Mm -hmm. Mais euh, donc, lui faisait sa conf, et moi, euh, ben, mes dessins étaient exposés. Et du coup, on s'est retrouvés, et quand il a vu le, le, le travail, il s'est souvenu de moi, évidemment, au, au moment du procès, il m'a dit, mais... Qu'est-ce que vous en faites de vos dessins Alors je dis ben, mes dessins ils sont dans des cartons et puis c'est ridicule il faut absolument les sortir c'est la mémoire qui est importante enfin, il faut absolument vous favorisez, enfin que, que, que vous travailliez dans ce sens bon ok j'écoute je vais réfléchir parce que des bouquins sur Barbie il y a plus tard mais euh, ouais. hein, mais bon un de plus pourquoi pas mais il faut trouver une manière de de, de faire passer le message et puis c'est cette idée d'en de, de, faire une bande dessinée qui est venue après un peu de réflexion et, 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 et ma rencontre avec Frédéric Brémaud qui lui avait déjà fait un, une bande dessinée sur le thème de la déportation, me semble-t-il, je sais plus tellement le, le, le titre de, de, de son ouvrage, mais quoi qu'il en soit, il était intéressé par le sujet. Et du coup on a décidé de monter ce projet. <laughs> Et euh, ben quoi, Frédéric a réfléchi aussi comment on allait le traiter. On pouvait le traiter de différentes façons. Et en fait, on a, on a opté pour la, pour la partie documentaire. C'était ça qui était important. D'accord. Mais qu'est-ce que tu penses que la bande dessinée en tant qu'art euh, peut apporter dans le registre du documentaire et de l'information euh, Non, non, mais de toute façon, la bande dessinée est un bon vecteur d'information. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au. Euh, Ce que tu avais fait sur les risques professionnels, sur la, la prévention, la prévention des risques professionnels, c'est aussi une manière de, de transmettre un message. Et donc, du coup, je trouvais que c'est un bon vecteur. C'est un très très bon vecteur. Bon, et euh, mais là, celui-là, il est particulièrement lourd et pesant. Quoi, je veux dire. C'est euh, les, les, les comment vous avez travaillé avec euh, avec Frédéric Alors, euh, alors parce qu'il faut choisir. Ah bon, donc, vous avez alors, cho on en a, on a, en a discuté longtemps. Hein. Enfin, on a, en a discuté. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'avais j'avais une une, une vision un peu un peu large de, de ce que je voulais ce que je voulais c'est qu'on qu qu'on qu évoque le procès ça c'était important c'était pour bah moi c'est la moitié de l'album hein, ouais, ouais c'était le pilier central mais ce qui était aussi intéressant et c'est parce que euh, en lisant et en, et en écoutant les, les les débats au procès Barbie c'est de savoir que cet individu avait continué à sévir après après sa fuite hmm. et qu'il avait collaboré avec euh, l'Amérique euh, en, en étant un agent lui-même de la CIA enfin de la CIC à l'époque, je le dis en français, hein, c'est CIC normalement. Ouais, ouais, <laughs> On s'en fout. Mais euh, et, non, non, mais moi je dis le CIC et alors ça fait penser à la banque, mais ça n'a rien à voir. <laughs> mais euh, non, non, que, non. Je, je trouvais que c'était intéressant que les gens sachent que de toute façon euh, c'était un, un, un nazi convaincu et que et que après que la guerre soit terminée, il a continué. Quoi. Donc euh, certes, c'était un, un, un homme très très compétent dans, dans dans son travail, mais quand même quoi. D'accord. Donc c'était important d'informer les gens de de ce parcours. C'est c'est une partie de de de, de ce parcours qu'on connaît pas très bien, sauf si on s'y intéresse évidemment. Ouais, mais parce que ben parce qu'il faut faire aussi le, le choix des informations que que vous allez Oui, Par rapport à ça, bon, c'était surtout au niveau des témoins. C'est pas tellement de raconter l'histoire de son de son parcours après après la guerre. Euh, donc ça c'était relativement pas facile, mais bon. Euh, il, il fallait il, il fallait être précis mais c'était au niveau des témoignages surtout c'est de, de de mettre en valeur certains témoins plus que d'autres évidemment il y a eu 149 témoins donc on pouvait mmh. pas parler de tout le monde c'était pas possible mmh. ça aurait été trop lourd là et, et, ouais, et là, fait un allot de 500 pages ouais, ou peut-être ouais, ouais. non mais c'était absolument indigeste c'est pas possible puis il y a des il y a des témoignages qui étaient intéressants puis d'autres un peu moins enfin je veux dire puis euh, la force des témoignages c'est on, on avait accès là-dessus et, et en fait euh, bah, on a utilisé quelques quelques personnes qui euh, qui ont bien bien bouleversé euh, le public qui était venu les écouter et, 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 et les gens qui étaient là au, au procès. C'est-à-dire que toi, t'as pu, enfin, vous avez pu faire la, on va dire le tri de ces témoins aussi par rapport à bah, tes propres ouais, souvenirs. Oui, on dira ça, un tri. Euh, on a ressorti euh, 4 cinq personnes, quoi, qui, qui me semblaient, qui semblaient euh, euh, importantes. Et, euh, et mais bon, et puis il fallait raconter un peu tout ce qui s'était passé. Puis après. On aurait pu aussi faire la même chose. Il y avait 39 avocats, donc on, on aurait pu parler de toutes les, 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 les plaidoiries. C'était pas impossible. C'était pas possible. Quoi. Donc on a, on, a, on, a, on a sorti. Et la plus importante, c'était quand même celle de, de, de Serge Klarsfeld, qui, je le dis en passant, a accepté de faire la préface du bouquin. Ouais. Enfin, c'est bien d'avoir encore ah bah ces oui. personnes encore vivantes. Oui, 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 qui, euh... non, non. Enfin, on l'a signé Serge et Béat, ou béate et Serge, mm. parce que tous les deux ont on fait un sacré boulot, quoi. Je veux dire. Et puis, et puis, on a eu cet appui majeur de, de, de Monsieur Jean Olivier View. Euh, vraiment, c'est des personnes hyper importantes. Et donc, ce soutien bah, va, va nous aider à. à à, 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 à parler de ce, ce bouquin. C'est vrai, c'est super quoi, d'avoir eu ces, ces gens autour de nous et de leur soutien, ça, ça a été important. Du coup, ça a généré aussi, ça il faut le savoir, ouais. je le dis quand même, ça a généré euh, une exposition aux archives départementales du Rhône, qui aura lieu à partir du 15 septembre. Aux archives. Et euh, dans ce cadre-là, donc, euh, quand ils ont vu quelques planches de bande dessinée, ils, sont, ils se sont complètement investis pour, pour organiser cette manifestation. Cette exposition, elle va durer presque six mois et elle sera ponctuée d'interventions d'avocats, de magistrats, euh, de gens qui ont vécu ça. Il y aura euh, sans doute aussi des, des conférences et, euh, et, et j'interviendrai sans doute aussi. Et puis, euh, mais c'est un truc important, quoi. Mmh. Et donc, du coup, en janvier dernier, j'ai, je suis allé visiter les locaux enfin ils m'ont demandé de venir pour parler de cette exposition. Et, et quand j'ai vu euh, avec quel le, souci ils entretenaient les, les pièces qui étaient chez eux, j'ai fini par décider, euh, d un, d un, d un, comme un accord avec moi-même, <laughs> de, de donner mes dessins de, du procès Barbie. J'ai fait don de tous mes dessins, il y en a 190. Okay. Et ces 190 dessins vont, vont, être désormais la propriété des archives départementales du Rhône. Elles vont rejoindre toutes les archives concernant le procès Barbie et tous les dossiers. Donc, ça va faire partie de, 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 de ce gros, ce gros pan, euh conservés aux archives départementales du Rhône. Parce que jusqu'à présent, ils, avaient, ils étaient restés bah, chez toi. dans mes tiroirs. <laughs> ouais. Ouais, ça. Et je veux dire, on sait jamais. On mais jamais... personne ne te les demandait enfin. Mais non. il hein, non, 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 ouais, y, des... si, y a eu quand même quelques tentatives de de, de vouloir acheter. J'ai dit que tant que je serai vivant, je ne les vendrai pas. Ouais, enfin, ouais. même sans les vendre, mais même par rapport à des expositions. Si, j'en ai fait, euh... j'en ai fait une ou deux ouais. avant. Euh, mais bon, après. Euh... Non non bah j ai, j ai, enfin voilà donc euh, et, et, et je trouve que c'était important pour moi de, de le faire voilà d'accord sur la partie du euh, qui, 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 qui s'intéresse à avant le procès parce que pendant le procès je me dis aussi que tu as pu euh, travailler avec tes souvenirs tes, tes souvenirs de la salle oui enfin et... je suis quand même allé chercher les informations ouais. enfin, revenir en arrière parce que c'est vrai que se souvenir de tout c'était pas c'était pas possible je pense que si on n'avait pas eu les les CD ou, ou les DVD plutôt des du, 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 du procès on n'aurait pas pu faire ce qu'on a fait là. Ouais. C'est pas possible. Parce que les seuls dessins que j'avais faits ne suffisaient pas. D'accord. Mais pour la partie qui précède, donc ah bah tout ce qui est des exactions et même oui, de, bah de la trace là, alors... c'est tu travailles avec quel type de documents Alors, bah pour là, euh... évidemment, on va chercher des documents euh, euh, dans des films euh, traitant du sujet. je Il y en a beaucoup. Je ne peux pas les citer tous, mais il y en a énormément. Puis il y a une bah liste, a une, a une liste à la fin où. Où on a, c'est les références, mais pas seulement. Il hein, y pas, mais les, les références documentaires, il y, a, il y a plein, plein de, plein de DVD ou plein de documentaires qui, qui traitent du sujet, qui rappellent un peu tout ce qu'on raconte là-dedans. Je veux dire, donc, euh, donc tout ça nous a servi à, à construire l'histoire. Avec, enfin, Frédéric l'a très bien fait. Euh, et puis, et puis, quand il y avait quelques erreurs que, que je connaissais, parce que j'ai pas la prétention de tout connaître au mmh. niveau du dossier, c'est, euh, mais il y a des choses qui m'ont Interpellé et à ce moment-là on, on corrigeait le tir, il n'y a pas eu de souci. Enfin, c'était une très belle collaboration avec euh, avec Frédéric Brémo. D'accord. Et euh, j'avais aussi une question, c'est euh Comment on, euh, on dessine en fait euh, dans les faits historiques notamment qu'est-ce qu'on euh, qu'est-ce qu'on décide de montrer parce que bah, c'est donc c'est euh, Barbie qui a, qui a commis des actes odieux mmh. et l'album est jamais euh, voyeuriste on va dire non, non. même s'il monte des des scènes ou qu'il laisse sous-entendre des choses extrêmement violentes mais comment on fait l'équilibre en fait pour quand même dire alors il y, y a ça qui a été fait ouais. mais on va pas se complaire dans la dépiction et pas non non mais ça... je pense, là c'est plus un travail de construction d'histoire enfin je pense que mmh. là ça appartient à à, à Frédéric Brémaud et c'est lui qui a, qui a, qui a, qui a vraiment euh, dressé c'est la trame quoi et et c'est et, euh, et, et un découpage était très précis bon je crois que c'est lui qui l'a fait mais naturellement sans se poser trop de questions on n'a pas cherché non plus à, à, à mettre l'accent sur un truc ou plus qu'un qu'un autre il a, il, a, il, a, il a raconté il a raconté l'histoire il l'a bien fait d'accord c'est à dire qu'en termes de découpage par rapport à son script c'était alors voilà, donc tu disais ah, c c extrêmement précis ouais très très précis alors parfois j'étais pas d'accord sur ce qu'il faisait ou si je suivais la trame exacte de ce qu'il avait écrit je disais, oh, ça peut pas coller, donc euh, je l'appelais, on, on échangeait là-dessus. Il me dit, bah bon, tu changes et puis tu vois ce que tu peux faire, quoi. Je veux dire c'est tout. Moi, tu il y avait des, des retours. Ah ouais, en beaucoup fait, de liberté d'action, euh, quand même. Hein. C'est pas, c'est pas parce que c'est écrit que que c'est figé, quoi. Donc. Ouais, euh... tu te permets de dire, là, ah, écoute, je pense on que on es... a le droit de pas être d'accord mmh. sur un, sur une page ou une autre. Mais c'est vrai qu'au fil du temps, on a, on a, on a pas mal changé de choses parce que. On a décidé de de, de de mettre des plages justement de ce qu'on appelait des pages de, de des plages de respiration des plages et des pages de respiration justement pour pouvoir euh, reprendre un peu son souffle parce que l'histoire est quand même assez assez pesante et lourde quoi. donc c'était aussi un choix délibéré que de faire ça quoi de faire respirer, ouais, le, de faire respirer le texte aussi oui et parce que même dans le choix aussi, parce que tu as, as quand même beaucoup de textes, oui, enfin parfois oui, enfin, oui. on pourrait même appeler ça presque du roman photo dans le sens où oui, c'est... Oui, euh, oui, oui. ou, de, ou de la, de la prose illustrée, ça aussi c'est un équilibre que tu dois gérer avec le scénariste alors pour... Euh, mais ça, euh, la gestion c'est lui qui, l qui l'a mené, hein. c'est pas moi hein. j'ai dire. Euh, moi si je trouvais ça trop long ou si je comprenais pas ce qu'il disait euh, évidemment j'intervenais mais euh, parce que parfois c'est Enfin, euh, je sais pas comment il travaille, mais euh, j'étais pas derrière lui. Je veux dire, mais et des moments, euh, bon, c'était, il y avait des des des, des moments où c'était pas très compréhensible, mais ça arrive. Je veux dire, c'est mmh. ben, très bel échange. Il y a jamais eu de, de on, on, on s'est toujours entendu, toujours toujours bien entendu euh, par rapport à ça. D'accord. J'imagine que c'était un, un choix délibéré aussi de représenter les euh, les passages dans le passé, en tout cas à l'époque de la guerre, en en des tonalités un peu sépia. Alors, alors là, oui, c'était un choix délibéré, ouais. oui, absolument, de de bien marquer les périodes. Voilà. À chaque fois qu'on parlait de, de la période de guerre, on passait au sépia, sachant que les dessins, je les ai pas faits en sépia, je les ai faits en noir et blanc, Ouais. et, euh, et que c'est à, à l'aide de filtres que que j'ai pu. Euh, ah il y a de la. D'accord, il <laughs> y, y a de la retouche numérique. <laughs> ouais, y a de la retouche derrière. numérique. C'est la seule intervention numérique qu'on ait faite. Parce que tout le reste, ça semble être vraiment que du crayonné, enfin a du crayon de papier Absolument. aussi, quoi. Ça c'est. C'est euh... du crayon de couleur. Ouais. Alors bon, bah, quand toute la, toute la période de la guerre, j'ai, je, je dessiné en noir et blanc. Mmh. Et puis après, j'ai scanné mes images et je les ai, je les ai filtrées. Mais il fallait qu'il y ait une unité dans le, dans, dans l'ensemble, quoi. Que et, et, et donc j'ai fait en sorte de trouver un, un sépia particulier. D'accord. Et euh, en termes de récit, tu l'as dessiné de façon chronologique par rapport à ce qu'on lit, où il y a des parties que as attaquées en premier et. Alors en fait, c'est le... est, est curieux parce que au départ on a on a commencé par faire un, un storyboard ouais. extrêmement euh, développé. Donc le storyboard hyper développé, du script ultra détaillé. Donc c'était ouais. ouais. important de faire quelque chose d'extrêmement précis, en tout cas pour mm. moi et parfois c'était même proche de ce que j'allais réaliser à la fin quoi je veux dire euh, et donc on a fait euh, on a établi les 120 pages en, en story et puis il y avait des temps entre entre le moment où je faisais la première partie du story euh, parfois je travaillais très vite et, et frédéric me dit ah t'es déjà prêt d'accord j'ai pas fini moi je bon bah et donc pendant ce temps là bah, j'en profitais pour faire une ou deux pages je la réalisais comme je la sentais et euh, on revenait jamais, je, je, je suis rarement revenu sur le story. En oh, quoi que si, il y a eu quelques, il y a eu quelques, quelques périodes où j'ai rectifié le tir. Mais, euh, mais il n'y a pas eu de grande transformation euh, majeure. D'accord, ouais. Ça va là Non, oh, non, mais c'est <laughs> très bien. Mais tu as quand même voulu faire aussi apporter un petit texte à, à la fin pour... pour ah ben bah, là, pour ça a été une que... demande, de... c'était nécessaire. Je pense qu'il fallait que j'explique un peu tout ça. Et euh, c'est ce qui s'est passé, mais ça... Je... Je peux le dire hors micro s'il faut, mais euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit des choses qui me semblaient... Euh, on peut le faire, on peut le faire. Enfin, bah, si c'était bon hein, dans le micro, moi je le garde. Ouais, hein. ouais, ah, je garde non, tout hein, en général. Non, alors, je veux dire que dans le témoignage que j'ai apporté, il y a des choses que j'ai dites, et, et j'avais des doutes quant à ce que j'avais dit. Mais j'avais des doutes tellement... Parce que tellement c'était énorme, ce que j'avais vu et entendu, ou vu, ouais, que je disais, euh, si je le dis, peut-être que je m'avance beaucoup. Et, et puis en fait, hier, euh, dans l'émission d'RTL, elle avait retrouvé un témoignage qui confirmait ce que j'avais dit. Donc c'était. Donc elle Flavie Flamand. Fl oui, Fl Flavie Flamand. Et, et j'étais euh, d'abord, ça m'a rassuré. Je me suis dit, j'ai pas dit de conneries, tu vois. Sur ce plan-là, j'ai dit ce qu'il fallait dire. Je faisais référence entre autres à quand on est arrivé au procès, il y avait euh, des, des restaurants qui affichaient carottes vichy au menu. Ah oui, la, la tu blague. Euh, Ou ouais. bocus qui avait engagé des. Des, des super hôtesses là ce qui était magnifique hein, en plus tu plutôt envie de croquer la l'hôtesse plutôt que de croquer le menu quoi j'ai dire mais euh, et qui distribuait des menus au pied du palais de justice tu te dis c'est quand même vachement déplacé quoi mmh. mais en le disant en l'écrivant je me suis dit... Euh, je m'avance peut-être beaucoup, quoi. Je veux dire, euh, j'ai. Et, et, et hier, ça m'a rassuré. Donc, du coup, je suis très fier de l'avoir fait. En fait, qu'il y avait une, une forme de médiatisation. La ouais, médiatisation. Un peu, euh, ouais. un un peu, peu, un peu euh, malsaine. Un peu, un peu malsaine, ouais. Mais pas pour tout, hein. Les journalistes euh, ont fait leur boulot. Il ont... n'y a pas de souci. Je veux dire, là-dessus, il n'y a pas de problème, quoi. Hum. même si sans journaliste c'est pas rien quoi. Ouais. Euh, j'ai aussi noté que t'as réutilisé des dessins d'époque oui, dans, dans certaines des planches volontairement on, on a décidé d'inclure ouais, ouais. les dessins du procès euh, dans la BD avec ma main, j'avais pas à me montrer moi ça servait à rien, hum. j'avais pas aucun intérêt de, 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 montrer, mais de me montrer moi mais de, 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 de montrer ma main qui dessine c'était aussi pour prouver que j'étais bien là à ce moment là, et volontairement de laisser la signature avec l'année euh, c'est un geste tout à fait euh, euh, volontaire Disons que ça parce que c'est marqué de toute façon que tu as, as vécu le procès, c'est voilà, toute façon d'y apporter un petit peu la absolument, preuve, peut-être que tu t'avais juste pas envie de refaire les dessins non plus oh, de... alors bah non mais c'était bien, ça, je trouvais que ça collait bien je sais pas si j'avais pas envie parce que j'ai quand même pas mal retrans... <laughs> quand même pas mal dessiné d'autres choses, d'autres vues c'est euh, pas simple bah, même des personnes que tu t'avais pas dessiné à l'époque alors ah si, si si je les ai tous dessiner pratiquement. Ah ouais, tu avais dessiné ah ouais, tout, tout le monde. Je veux dire, mais pour l'album, tu as dû redessiner ces. Ah, bah oui, ses... ouais, c'est ça. Bah après, c'est-à-dire que quand tu es au. Le, le dessin à lui-même, par exemple, sur certains points, euh, quand on parle d'une personne, c'est une image figée, point. J'en ai pas fait de 36. Il hein. mmh. euh, y avait tellement de témoins que, après, si tu veux varier les plans, bah, t'es obligé, quoi. Je veux dire, t'as pas le choix. T'as pas le choix, il faut reprendre. Donc, c'est pour ça que les DVD du, du procès m'ont beaucoup aidé, quoi. D'accord. Et comment on dessine, euh, que ce soit pour la BD ou même à l'époque, comment on, on dessine quelqu'un qui représente quand même une forme de mal absolu comme euh, Klaus Barbie Comment on dessine On dessine. Ouais. On dessine ce qu'on voit et euh... sans laisser transparaître forcément les propres émotions que tu peux ressentir ouais par ouais à... mais les premiers des... c'est marrant parce que ce que tu dis là c'est un truc qui moi m'avait complètement échappé euh, c'est à dire que j'ai vu le bonhomme arriver, euh, il m'a fait forte impression quand je l'ai vu arriver nos regards se sont croisés évidemment pas dans les mêmes conditions qu'avec les témoins mais en, en, en attendant le regard de, de, de Barbie, c'est quand même un regard waouh wow, euh, difficile à supporter Hein? D'accord. Et puis le premier dessin que j'ai fait de lui, je l'ai dessiné comme ça, comme il est là, c'est tout, sans me poser de questions, comme je disais tout à l'heure, de façon instinctive. Et beaucoup avaient remarqué que ce dessin avait une avait une forme de masque. Et on dit, t'as vu le masque que tu as dessiné Je dis non. Ça voulait tout dire. C'est-à-dire que derrière l'individu se cachait quelque chose. C'est ça que j'avais voulu traduire, mais instinctivement. Sans vraiment, tu vois, c'est pas calculé, quoi. C'est pas quelque chose qui après a pu euh, évoluer dans, au fur et à mesure que bah, que, es, que les choses, que bah, tu Ça dépend. Des... Ça dépend des individus, c'est-à-dire que euh, t'as des témoins où, où le témoignage est vraiment plus fort et plus important. Et, 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 euh, et avec le recul, tu te rends compte que bah, le dessin, il est sensible. Donc ça doit correspondre à ce qu'a qu dit la personne, quoi, tu vois. C'est. Mmh. Euh, bah, je sais pas si je m'exprime bien là C'est ça, je crois, je veux dire. On, on, on a parlé avant un peu du, du fait d'utiliser la BD comme, comme documentaire, mais au-delà même du documentaire, il y a un devoir de mémoire avec cette voilà. C'est avant tout ça. Mm. C'est avant tout ça. Et on, en, en, faisant, en faisant cette bande dessinée, on, on a ciblé le public plus ou moins, hormis le fait que ce soit destiné à des adultes. Euh, on, on visait plutôt un public d'ados. Euh, enfin, les gens de première, quoi. Et, alors je ne sais pas s'il y aura des gens plus jeunes. Qui vont euh, qui vont s'atteler à, à cette lecture. Hier on m'a posé la question, on m'a dit euh, j'ai un fils de 10 ans, est-ce que tu crois que c'est possible Je dis c'est un peu prématuré. Ouais. <laughs> je suis même pas sûr qu'ils puisse forcément comprendre la je portée en fait. Hein, ouais, du, je pense euh... aussi. Ouais. Puis moi j'ai j'ai croisé des gens qui m'ont dit euh, ah ouais mais au procès moi j'avais 5 ans ou j'avais 6 ans et mes parents ils me disaient tu vois ce vieux monsieur c'est un monsieur méchant. Tu vois Alors qu'en apparence c'est vrai que tu, si tu fais fi de tout ce qui s'est passé, de l'histoire que tu connais euh, avant, euh, bah c'était un homme âgé, quoi, qui venait, euh, qui venait à la barre. Et en sac, ça pouvait, euh, ça pouvait choquer, Inter interroger surtout, tu vois, en disant, c'est bizarre quoi, ce mec, il a, il a, il a fait tant de monstruosité, mais c'est pas possible quoi. Eh ben si. que que t'arrives pas à le voir avec l'apparence la, physique non, en fait. non. Euh. non. C'est ce que je disais. Euh, il n'y a pas très longtemps non plus, c'est que au moment du verdict, Barbie, quand il s'est présenté, il était 0h40, il s'est pointé euh, encadré de, de, de policiers. Il avait à sa droite euh, sa traductrice et euh, il entend la sentence. Et à ce moment-là, à ce moment-là, moi j'ai fait preuve, c'est ce que je dis toujours, j'ai fait preuve d'un peu d'humanité et j'ai eu pitié de ce mec. Un court instant, c'était très fugace, mais j'ai eu pitié. Pourquoi parce que c'était un ouais. vieil homme, fatigué, éreinté, malade déjà. Très malade. Et euh, mais c'est tout. Hein. C'est tout. Quand je dis ça, ça fait hurler. <laughs> c'est ouais, fait dresser le poil de certains. Mais... Euh, mais enfin, le pitié le plus... dans le sens pathétisme. En oui, c'est euh... ça. C'était plutôt pathétique. Ouais. Que le, le... Mais bon. Mais... Mais c'est d'ailleurs... Un soupçon d'humanité, tout à coup, qui passe. C'est se dire, voilà. Ce monsieur, ben voilà. J'éprouve de la pitié pour ce mec, quoi. Mais c'est vite passé, hein. Ouais. Je vous rassure. <laughs> J'imagine. Mais justement, par rapport à la conclusion, c'est ce qu ça qui m'a interrogé aussi, c'est que vous finissez sur la sur le verdict, ouais. hein, donc. Bah oui et, euh, et en fait, il y a juste euh, une bulle qui va dire euh, « Bon, bah il est mort ensuite. » Il n'y a eu aucune volonté après de... Enfin, de, ben, je ne sais même pas si c'est des, des choses qui sont documentées sur les dernières années qu'il a passé en prison non. ou pas. Non, puis et ça, ça ces personne, ouais. je pense que ça n'a aucun intérêt. Parce qu'il n'a jamais exprimé de quoi que non, ce soit, il n'a jamais façon. exprimé de, 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 de regret quoi que ce soit. Je veux dire, à partir du moment où il a été incul, euh, incarcéré à la prison, euh, d'abord à la prison de Montluc, puis ensuite à... J'ai oublié le nom, c'est Saint-Joseph Saint-Joseph, oui, ah. de Lyon. Euh, bah, non, il a écrit ses mémoires. Ah, d'accord, il a quand même fait ça. Ouais. Mais bon, qu'ils soient inaccessibles pour l'instant au public, mais... Euh, d'accord. Voilà, donc... Euh, et puis, je crois que ça sera jamais édité. Enfin, c'est du, du même ordre que Mein Kampf et tout ça. dire on ne sait pas ce qu'il dit, si, si, quand... Alors, tous les historiens, enfin, ceux que j'ai connus et ceux que j'ai lus euh, pendant, pendant la réalisation de ce, ce, cette bande dessinée, euh, ont eu accès d'une manière euh, personnelle à, 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 à ses écrits euh, bon il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui sont pas avérées mais bon ouais, c'est sa propre vérité de toute façon qu'il écrit ça c'est ouais, pas, pas important pas très important quoi. non mais justement tu dis aussi dans la, dans la conclusion de ta préface ça, ça je l'ai noté que tu fais un, un parallèle sur le fait qu'il est il est pour toi nécessaire en fait de raviver quand même ce genre de moments d'histoire par rapport à la situation du monde par actuel. Rapport à la situation actuelle. Hein. C'était pas calculé, hein. Mmh. On est bien d'accord. Le fait de faire un travail de mémoire, c'était pas calculé avec les événements qui sont en train de, de se passer en ce moment euh, en Europe, quoi. Et euh, non, pas du tout calculé. Mais ça tombe à point nommé. Qu'est-ce que tu penses euh, de la situation du monde actuel, mmh. hein, par rapport bah, à ça Ce que je pense, c'est qu'on est en train de revivre des moments. Euh... Tu sais, quand j'ai quand j'ai suivi ce procès, naïvement, j'ai pensé qu'à partir de là. Plus jamais il y, aurait, il y aurait, ce genre de choses. Mais je suis pas le seul à l'avoir pensé, hein? tous les gens avec qui, les collègues avec qui on avait échangé sur la question, on s'est dit, oh, bah là, c'est un, c'est un procès exemplaire et, et il y aura plus jamais, plus jamais. Bah ouais, c'est utopique, ça. Il y a eu la Serbie. Et puis maintenant, il y a la guerre d'Ukraine. Euh, enfin, je veux dire, et puis, et puis ça continuera. Puis il n'y a pas eu que ça. Enfin, je veux dire, il y a eu d'autres choses en Afrique aussi. Euh, et tout de suite enfin tu vois je veux dire donc ça, ça s'arrêtera jamais quoi. C'est-à-dire que le, les euh, enfin vous pensiez à l'époque c'était le, le, le enfin tu avais même une formulation je sais plus c'est pour la première guerre ou la, ou la deuxième guerre pour dire que c'était la, la guerre qui allait mettre fin à toutes les guerres et là ouais. tu te dire que c'était le procès qui pourrait mettre fin au, au procès de crimes contre l'humanité. Oui euh. oui, non non mais c'est très bien d'avoir jugé un homme pour crime contre l'humanité et puis euh... Sur cette notion, je ne vais pas aborder le côté un peu juridique de la question parce que c'est trop compliqué pour moi. Ouais. Et euh, mais ça, ça aide, ça aide. Et je pense que ça va aider aussi les, les, les autres magistrats de la Haie, par exemple, à juger, à juger tous ces criminels, quoi. Quels qu'ils soient. Je ne qu hein. parle pas de Poutine en particulier, mais alors il y a des gens qui auraient mérité d'être jugés pour crimes contre l'humanité bien avant. Si vous les cite. <laughs> ouais, tu peux, hein, tu, tu peux. Les... George Bouge, par exemple. Il ouais, okay, d'accord, ouais. Il aurait pu. Bon, mais comme le pays a pas reconnu ce tribunal, donc euh, il ne peut, euh, peut pas être jugé. D'accord. Trois ans, trois. Sur... C'est euh, trois ans de travail, tu disais. Trois ans de travail. De oui. C'était quoi la partie la plus, euh, la plus, euh, pas difficile peut-être, mais euh, celle qui t'a posé le plus de challenge. Je crois que tout, tout le long de la bande dessinée, ouais. c'était un challenge. Mais je voulais, j'avais, j'avais. J'avais opté pour cette qualité graphique. J'avais dit, euh, il faut que la couverture soit attirante, évidemment, mais il faut que l'intérieur soit pas, qu'on triche pas. Enfin, je veux dire, il ne faut pas mmh. qu'on 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 triche avec ça. Il ne faut pas montrer quelque chose de beau à la, à, à, en couverture. Il faut que l'intérieur soit aussi intéressant et, et riche. Et comment t'as choisi alors ton ton dessin de couverture ouais, C'est ça. Alors, alors bah, ça a été un peu long. Hein. Ouais. On, a, on a fait quelques essais. Euh je sais qu'on s'est planté sur plein de trucs, mais euh, mais c'est ça fait partie de la recherche aussi. Au début, il y avait euh, le, les, les tout premiers croquis, c'était pas ça du tout. On montrait le visage de Barbie coupé en deux, euh, un, un, le, le, la partie plus 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 ancienne et puis la partie euh, actuelle, enfin plus actuelle, c'est-à-dire le vieux et le, et le jeune, quoi. Et puis on a abandonné cette idée, l'idée du masque. Mais bon, et puis bon, on a opté ça, c'est beaucoup plus fort à mon avis. Celui-là est très 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 puissant à mon avis. C'est... Je l'ai fait beau en plus. Ouais, tu. Euh, mais après, parce que. Bah, après, c'est euh, en train de mettre son gant, enfin, en train de. Oui, c'est euh, une part d'ironie, là, euh, C'est d'ailleurs de dire. Euh, vous allez voir comment je vais. vais C'était euh, ouais. avant de passer à l'acte, enfin, voilà, hein, faire, faire Sans ces... doute qu'il était comme ça. C'est comme ça que je l'ai ressenti, moi, de toute façon. Et puis, à travers des, des témoignages, c'est ce que les gens disaient aussi. Enfin, je veux dire. Cette espèce de. <laughs> ouais, c'est horrible. <laughs> ça a été. Euh, ça a été douloureux de, de ressasser douloureux. tout et ça c'est toujours de... douloureux de toute façon parce que là hier pendant l'émission sur rtn ils ont rediffusé des séquences de, de témoignages et c'était waouh wow. et pourtant c'est court hein, c'est quoi c'était quelques, quelques minutes pas plus hein c'était hyper douloureux hyper violent quoi. Et et tu penses et tu penses que vraiment ce, parce qu'on est quand même à une heure et je m'interroge toujours un petit peu aussi sur la, même site, T'es comme moi convaincu de, ce, de son importance et de son efficacité en tant que médium et que la BD arrive encore à tirer sa part du jeu à l'heure où maintenant, c'est tu sais, on est beaucoup sur la vidéo surtout, en fait, en termes de, de, de médias que les gens consomment. Mmh. Est-ce que tu, tu, penses, ouais, que, que, la BD peut encore vraiment jouer? Ah, jouer, bah, elle jouer, va rendre service. Ça, j'en suis convaincu, moi, là, pour le coup. Et puis, euh, enfin, enfin, tous ceux que j'ai croisés jusqu'à présent et qui, euh, ou qui l'ont lu ou qui étaient en passe de le lire étaient très, très intéressés. Je pense que ça va les toucher beaucoup. D'accord. Ouais. J'ai envie de me tourner aussi euh, vers un autre invité dans, dans ce podcast qui qui était dans l'ombre jusque là, mais qui est après qui, qui, qui est avec nous. C'est Nicolas Grivel qui est donc euh, agent. Euh, bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Voilà, je je te prends en otage <laughs> dans, dans, dans le podcast. Tu as bien raison. Euh, Nicolas, est-ce que tu peux m'expliquer aussi un petit peu juste quel a été ton rôle euh, sur sur cet album et même quel est ton métier de façon de façon générale? Alors c'est un travail de, de l'ombre hein, qui est pas forcément connu, hein, celui d'agent littéraire. Le meilleur résumé, le plus simple, je pense que mon métier c'est surtout de savoir écouter les auteurs et les autrices, de voir leur projet et après de le proposer aux bonnes personnes. Euh, je prends le projet de Klaus Barbie, c'est Frédéric Brémeau qui m'en a parlé une première fois, et tout de suite, moi, j'ai eu euh, cette vision de, de transmission, de mémoire avec une personne qui avait suivi le procès. Et après, tout simplement, c'est comme une cartographie de maison d'édition où vous dites bah, quelles sont les personnes qui seraient les mieux armées pour accueillir ce type de projet. Et en quelques mots, ben, Paul Scorteccia d'Urban Comics, je me souviens, j'étais dans son bureau, tout de suite, il a dit ces mots, mémoire, transmission, je veux faire le projet. Donc, tout simplement, mon métier, il n'est pas très compliqué, c'est de savoir écouter dans les deux sens et de filtrer au maximum les projets. D'accord. Et c'est-à-dire que quand, quand Rémo t'a apporté le projet, ce pas encore décidé que, que Jean-Claude allait, euh, allait le dessiner? Hein si, si. si D'accord. Si, ouais. si. Mais euh, si tu veux, je peux élargir parfois sur certains projets, on n'a pas forcément le dessinateur ou la dessinatrice. Il y a différents cas de figure. Et donc là, toi, c'est dans, dans ce cas, c'est d'aller euh, trouver deux personnes dont tu penses qu'elles seraient capables de bien travailler ensemble. Complètement. D'un point de vue graphique aussi, on est. Tu l'as expliqué, Jean-Claude, on est sur des temps longs, donc euh, que l'équipe puisse fonctionner, euh, que euh, bah, les personnes arrivent à communiquer, la façon de découper aussi en termes de scénario, la façon de travailler, que tout ceci puisse fonctionner au mieux. C'est pas uniquement la réalisation graphique, ça va même au-delà. Au-delà. Hein. Parce que c'était un travail sur lequel, c'est vrai que je t'avais pas forcément demandé, euh, Jean-Claude, je reviens, je reviens vers toi, mais tu étais à temps plein, là, tu faisais complètement, pas te, euh, ouais. Complètement, complètement. Euh, je dirais pas 10 heures par jour, mais pas loin, quoi. Ah Ouais, ouais quand même à faire, mais alors c'est c'est un rythme de, de quoi de une à deux planches par jour que, que tu fais. Ah non faire. non non, c est, c est c est... parfois je mettais une semaine voire plus pour faire une planche. Ah oui d'accord ouais. oui. parce que il euh, y a quand même certaines pages qui sont très chargées. Ouais. Et puis il y a toute cette recherche documentaire aussi qui est importante et qu'on trouve pas tout de suite. Et puis enfin c'est toujours pareil, on a une idée fixe de l'image qu'on veut et, euh, et 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 à partir de là on essaie de trouver l'image qui se rapproche le plus de ce que tu veux faire. Et puis parfois tu l'as pas. Alors non tu vas chercher. Euh, euh, un nombre incalculable de, de, de documents, et puis tu fais un mariage entre tel, tel document, tel document, en faisant attention aussi, parce que parfois c'était difficile, pour des raisons de droit d'auteur, d'utiliser des documents photographiques existants. Alors, il, y a, il faut que l'image qui a été prise en photo, il faut que l'auteur de cette image soit mort depuis 70 ans et plus. On n'avait pas, pour certains documents, la preuve que, que les individus en question étaient morts il y, avait, il y a 70 ans. Mais c'est important. Alors, mais sur des documents d'histoire, enfin moi on, en on avait beaucoup échangé avec Serge Klaarsfeld qui avait dit, mais ça fait partie de ma collection personnelle, il n'y a pas de problème, vous pouvez l'utiliser. Mais l'éditeur était beaucoup plus euh, prudent. Il ne voulait pas s'avancer. Donc, euh, plutôt que de mettre une image euh, euh, qui pouvait être... Euh, ben, euh, limite, je sais pas, c'est pas le mot, mais euh, qui risquait de de de, 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 enfin, on risquait, on risquait gros en la publiant, on dira ça comme ça. Pourquoi pour un, un risque d'enfreindre le droit d'auteur ben Voilà, c'est ouais ça. Donc plutôt que d'enfreindre le droit d'auteur, il fallait réinterpréter l'image. D'accord. Voilà. Je me retourne vers toi, vers toi, Nicolas. Puis, une fois que le, le projet est accepté par, par Paul de, de chez Urban Comics, après toi, ton rôle, il, il s'arrête totalement ou euh, tu, tu fais encore du suivi? Comment Alors, ça se passe? Ça hein dépend, c'est que je, je garde un œil sur tout le projet et après, c'est un peu en fonction de la façon de travailler des maisons d'édition. Certaines maisons d'édition, par exemple, là, c'est une personne, Sarah, qui était l'éditrice sur le projet. Donc, qui a fait tout le suivi avec euh, Frédéric et Jean-Claude. Donc là, j'étais plutôt en retrait et avec euh, d'autres maisons d'édition, euh, on me demande d'être plus dans le projet. En fait, moi, euh, j'ai au fur et à mesure des années, j'ai appris à être flexible selon les envies des maisons d'édition et de faire. Moi, mon but ultime, il est simple, c'est que le livre trouve un public. Donc, quelle que soit la manière de travailler la maison d'édition, je m'adapte. Dans les intérêts de, de l'œuvre, du projet qui est, qui est en développement d'accord et une fois que le livre sort tu as aussi un rôle à jouer dans l'accompagnement alors justement pour qu'il ait chargé de trouver son public dans l'accompagnement médiatique dans c'est ça c'est sans ingérer dans le travail des maisons d'édition mais ça ça ouais. se fait de plus en plus c'est plus en plus compris le métier d'agent littéraire en fait c'est d'aider de tout simplement d'essayer de boucher au maximum les angles morts donc, euh, c'est par des contacts. Si chacun euh, capitalise sur ses contacts, sur ses idées, on arrive à toucher un public qui est encore plus large. C'est également le, le cas sur ce livre. Il y a également énormément de non-lecteurs ou des personnes qui ne sont pas forcément habituées à lire de la bande dessinée qui vont aller vers ce livre-là. Donc, c'est d'autres réseaux où parfois les maisons d'édition ne vont pas pas forcément, et c'est des petits plus que j'essaye de faire à chaque fois sur les projets. C'est ça, parce qu'on est sur un album qui, euh, qui, enfin, qui, est, qui est de la BD, mais euh, qui peut viser un autre public alors qui sera plus passionné d'histoire ou plus curieux d'une certaine, euh, certaine partie de l'histoire, que ça permet alors de bah, peut-être même de les initier ensuite à la lecture de bande dessinée. J'imagine contre l'idée euh, enfin, qui circule encore que la bande dessinée s'adresserait qu'à qu 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 des gamins ou. Euh ou un public de, je sais pas, de, de geeks qui n'ont qui ont pas réussi à grandir Je pense qu'on a, moi j'ai entendu autour de moi des gens qui ne lisaient pas la bande dessinée, qui euh, ont découvert cette, cette BD en disant Ah oui, bah c'était vachement intéressant de la, la manière dont vous l'avez abordée. Et je ne suis pas un lecteur de BD, mais j'ai apprécié. D'accord. Et puis, euh, ouais, ça, ça ouvre un champ beaucoup plus large, c'est vrai, c'est beaucoup plus généraliste du coup. Et. Euh, et euh, bah je vois, hein, en dédicace. Bon là, jusqu'à présent, j'ai dédicacé euh, dans des librairies spécialisées, euh, sur un salon euh, euh, de bandes dessinées. Mais je suis aussi invité euh, sur des salons euh, de livres d'histoire à venir. Et enfin, euh, pas d'histoire à venir, mais <laughs> le, le salon à venir, c'est le salon à venir d'histoire. Voilà. <laughs> bon. Et et, et donc, bah, ça va toucher un public beaucoup plus large. C'est évident. Quoi. Hein, parce que ce que ce qui présente là dehors de ce salon, ce sont des livres d'histoire et, et, et que des livres d'histoire. Moi, je considère que ça fait partie. C'est un livre d'histoire, même si ça n'a pas été fait par des historiens. Euh, J'ai pas cette prétention. Enfin, nous n'avons pas cette prétention ouais. euh, euh, de vous substituer au travail ah, d'historien euh, bah, C'est pas, pas du tout le cas. Hein. Et en même temps, c'est un. Enfin, Dire qu'il y aura un contenu beaucoup trop euh, spécifique ou spécialisé. Bien sûr. Là, il y a une approche qui permet de, 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 de vulgarisation aussi. Bien sûr. À, Absolument. Pour, ouais. pour, pour, pour ouvrir euh, les fermes Mais justement, juste sur la tournée médiatique, parce que. Bah, Jean-Claude est passé hier à on ronde juste podcast sur RTL. Là, vous passez sur un podcast de niche qui parle à la base de BD de américaines et qui s'intéresse aussi aux formes de journalisme culturel. C'est toi qui gères un petit peu avec les, les éditeurs, juste justement les médias sur lesquels en fait vous allez pouvoir parler d'un bouquin. Sur Urban, c'est plutôt eux qui gèrent. Euh, sur d'autres structures, euh, on a un dialogue, à savoir euh, une réflexion. Qu'est-ce qu'on fait, même si on a eu cette réflexion là bien en amont, de dire. Quelles sont les directions, quels sont les publics et je trouve que c'est hyper intéressant à chaque fois même quand tu le dis. C'est peut-être une niche sur ton podcast mais c'est l'addition de niches que de plus en plus ça devient grand public. C'est vraiment de pas se dire on va sur cette direction-là uniquement, c'est d'élargir au maximum et on va pas se mentir, en ce moment en librairie, ça peut être complexe de trouver son lectorat. Et quand on essaye de démultiplier les différents angles, les différentes approches, et d'avoir, de venir chercher des lectorats très différents, en général, c'est là qu'on peut trouver un succès assez solide en librairie. Et la force aussi du témoignage de ce type-là en bande dessinée, du médium, c'est qu'on reste dans le temps. Je pense que c'est le genre d'ouvrage aussi qui va avoir et qui a déjà sa vie comme support de cours dans des classes dans des bibliothèques, ouais. dans des musées. Et ça, c'est la force du médium, c'est que ça reste. C'est que tu pas juste là, tu pas juste soumis à un influx de nouveautés, de dire, euh, enfin, tu pas dire c'est le nouveau Brémont et Brauer qui, qui sort et, <laughs> et, et après, <laughs> on passe à la suite. Non, c'est vrai que ça, ça. Voilà, ouais. tu as, as une temporalité qui est, qui est différente. Mmh. Ok, très bien. Mais écoutez, messieurs, j'ai été ravi de vous accueillir dans dans ce podcast pour ben, pouvoir de venir aussi. Merci. Pour 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 parler de cette œuvre. Donc pour Ape, Klaus Barbie, la route du rat qui est sorti chez Urban dans le label Urban Graphic de Urban Comics. Donc voilà, disponible en librairie et certainement bah, dans des bibliothèques aussi ou dans dans des dans des établissements plus institutionnels. Et ben bah, on espère en tout cas que ce podcast vous a plu, que ça vous permet d'apprendre un petit peu la façon dont on peut aborder le récit documentaire euh, avec avec l'art séquentiel, en tout cas voilà c'est le but de, de The Plus aussi, c'est vraiment de s'intéresser à, à toutes ces formes, euh, de ces façons de véhiculer euh, l'information, et euh, bah, si vous appréciez notre travail, je vous rappelle que il faut le soutenir, tout simplement, donc vous pouvez partager les podcasts sur vos réseaux sociaux, parler du bouquin et du podcast si vous les avez lus et ou écoutés, et qu'on a également une page Tipeee ouverte sur laquelle vous pouvez apporter votre soutien financier au podcast pour le faire durer sur le long terme, Frédéric, euh, non pardon, pardon Jean-Claude, Jean-Claude et Nicolas, je vous dis merci de nous avoir, merci à toi aussi, d'avoir été avec nous. Je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast. Salut. Salut.